the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is this Caballero? The Emperor of the Far West, when he gains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Comment ça, battu? Je n'ai jamais perdu une seule élection. Vous entendez? Jamais! Ce n'est qu'une estimation, monsieur le président. Un sondage, mais je suis sûr qu'un geste fort vous fera repasser en tête. Et quoi? Une nouvelle baisse des impôts? Hélas, non, on ne peut pas leur faire le coup à chaque fois. Non, je pense à... Sneeze. À vos souhaits. Non! Ernest Sneeze, le journaliste, monsieur le président. C'est le correspondant du Wild West Trumpet. Il a été envoyé au fin fond du Mexique pour un reportage sur les haricots sauteurs et il est tombé au cœur d'un sanglant conflit. Ah, une bonne guerre. Il n'y a que ça de vrai. Il se trouve que Sneeze vient d'être enlevé par El Coyote. Excellent. Je délivre Sneeze et je remonte dans les sondages. Pour envoyer la cavalerie immédiatement. Le Mexique est un pays souverain, monsieur le président. Et les autorités nient, bien entendu, tout trouble dans la région. Non. Ce qu'il nous faut, c'est un homme qui agisse en solitaire. Efficace, discret, un professionnel. Écoute ça, Jolly Jumper. El Coyote et ses hommes ont trouvé un nouveau supplice à me faire endurer. Ils m'enduisent de guacamole et me laissent sécher au soleil. Je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir tenir. J'espère que nous arriverons à temps. Nous irions plus vite si nous n'étions pas retardés par cette bourde de la nature. J'ai les coussinets tout carbonisés. Mon pauvre entemplant, je t'avais pourtant dit de ne pas venir. Si on ne veut pas qu'il vienne, il faut lui dire de ne pas rester. Qu'est-ce que... Oh non, il ne va tout de même pas. Si, il a osé... J'ai l'impression d'être une mémère à son cowboy. Société Kotzingo. Nous allons voir si le général Ganache et El Coyote ressemblent au portrait que Sneeze en a fait. Perico, dégage, c'est mon hamac. J'étais là en premier. Ce sera ton dernier mot, Perico. Dolores! Dolores, il me fait peur avec son gros pistolet. Mais tu n'as pas honte, tu sais combien Perico est fragile et vulnérable. Tu parles. Il a un énorme poil dans la main, c'est tout. Tais-toi, tu devrais être en train de faire ta tournée. Et toi, mon pequeño pato, repousse-toi. Ma tournée, je vais la faire, ma tournée. Manuel, sors ta bouteille de sirop de cactus. C'est ma tournée. D'après Sneeze, Société Kotzingo a été le théâtre d'affrontements meurtriers. Curieux. Pas le moindre impact de balles, pas la moindre maison détruite. Ce n'est peut-être pas le bon Société Kotzingo, cowboy. Tout le monde descend. C'est bon de se sentir aimé. Copain! Hello, amigos! Pourriez-vous me dire où je peux trouver le général Ganache? El général Ganache? Oh, oh, oh. El général Ganache? T'as entendu ça, jefe? Ganache, c'est moi, seigneur. Mais je ne suis pas encore général. Je suis que sergent. Et je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je vais vous montrer un tour que m'a appris l'un de vos compatriotes. Il me faut un sucre. Il n'y a pas le moindre sucre par ici. Ce caillou fera l'affaire. Et hop! Ça a marché? Ma, c'est pas un caillou, gringo. C'est du crottin de mule.
Je vous assure, Seigneur Luke, il n'y a jamais eu la moindre bataille à Sochit et Kotzimbo. Pas plus de bataille que d'El Coyote. Perico Felipe Algoroba, dit El Coyote. Un bandit comme il y en a un par siècle, éblouissant d'intelligence et de cruauté, un barbare féroce capable de rivaliser avec les plus fins stratèges. C'est écrit. Ça peut pas être les mêmes Perico Felipe Algoroba. Les nôtres, c'est mon beau-frère, un bon à rien. Un voleur de pollo qui dort dans mon hamac et mange mes tortillas. Et on ne le surnomme pas El Coyote, seigneur, mais El Borico. El Borico. Dites-moi, sergent, n'avez-vous pas eu, il y a quelque temps, la visite d'un gringo? Ah, si. Un gringo tout maigrichon qui transpirait beaucoup. Même que Pépé lui a montré sa collection des haricots sauteurs. Et vous savez ce qu'il est devenu? Si, il est à Hermosilla, la ville voisine, à l'hôtel de los Tres Caballeros. Je le sais par la nièce de ma belle-sœur qui a épousé le fils du cousin de son père qui lui-même se trouve être le gendre de l'oncle de la fille du... J'ai compris. Muchas gracias, amigos. Pour une fois, on dirait que le soleil va se coucher plus vite que d'habitude. Dolores, je suis dans les journaux américains. Nourriture, enfermé dans ce cabanon exigu et torride, sans eau, harcelé par les mouches qui s'agglutinent sur mes plaies purulentes, animé par cette unique pensée qui me maintient en vie, servir la vérité. Mais ce soir, heureusement, tout est prêt pour une audacieuse évasion. Et ce sera le retour triomphal au pays de Sneeze, le grand Sneeze qui a couvert de conflits de Xochitl et Kotzango. Fini les chiens écrasés et les haricots sauteurs. Quel gringo n'ébauche plus. Il est très bien comme ça. Seigneur me reconnaît. Perico Felipe Algoroba, El Coyote éblouissant d'intelligence et de cruauté. Caray, tu as de l'imagination, seigneur. Non, si j'avais de l'imagination, j'aurais inventé les noms. Allez bien, gringo. Perico Felipe Algoroba. Si, seigneur, il a kidnappé les gringos. Je l'ai reconnu formellement. La nièce de ma sœur a épousé le cousin de la tante de mon ami Bernardo, qui lui-même se trouve être le beau-frère du fils de son père. Gracias. On dirait qu'El Borico n'est pas si borico que ça. En temps plan. Ah oui, donc passer cet animal. Jolly, je t'avais pourtant demandé de le surveiller. Je ne suis pas un cheval de garde, cowboy. Ça sent le perdreau. Une mère perdreau, énorme, elle a défendu ses œufs. Mais ça fait trois fois déjà. Lee. Après l'intrépide attaque de la grande banque nationale de Xochitl et Kotzango, la simple évocation du nom d'El Coyote faisant trembler le pays. L'intrépide attaque de la grande banque nationale de Xochitl et Kotzango. Mais il n'y a pas de banque à Xochitl et Kotzango. J'ai tout inventé. Il y a l'alimentation générale d'Esteban. Esteban, il prête de l'argent avec des taux d'intérêt honteux. C'est comme une banque, non? Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Il l'a fait exprès. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès pour se faire trimballer. Retournons à Sochit et Kotzingo. Mon petit doigt me dit que tout se jouera là-bas. Et moi, mon gros sabot me dit qu'on est encore tombé dans une histoire de fou. Mets en l'air, tout le monde! Mais qu'est-ce qui t'arrive, El Borico? Toi, une vie sans moi?
Je ne veux plus que l'on m'appelle El Borrico. Je suis El Coyote et Aques Pronto. Si, si, voilà, El Coyote. Où vas-tu, gringo? Nulle part, je ne vais nulle part. 117 pesos. Je n'ai jamais été aussi riche, caramba. Avec tes idées gringo et mon pistolet. El Coyote va faire trembler les pays. Ce n'est qu'un début. Si, jefe, c'est exactement ce qu'il a dit. Alors, d'après vous, seigneur, El Borrico va faire tout ce que El Coyote a fait dans les journaux. Ouais. Dans les journaux, ils disent qu'El Coyote attaquait des diligences. Il n'y a pas de diligences dans la région, seigneur. Jefe, ton beau-frère, il a attaqué ma charrette de foin et m'a volé mes mules. Jefe, Perico, il a volé les fourgons de matériel. Il y avait un bâton de dynamite dans une caisse. Mais son plus bel exploit demeure l'assaut de la prison de Xochitl-Cotzingo et la libération de tous les prisonniers. Il n'y a pas non plus de prison à Xochitl-Cotzingo, seigneur. Arrangeons-nous pour qu'il y en ait une. Et nous n'aurons plus qu'à attendre la venue d'El Coyote. Mais qu'est-ce que tu fais au poulailler? C'est plus un poulailler, Dolores. C'est une prison. Voilà la preuve qu'il ne faut jamais croire ce qu'il y a dans les journaux américains. Pourquoi dis-tu ça, Manuel? À la cruauté scélérate del Coyote, répond la mégalomanie du général Ganache. L'homme ne manque ni de courage ni d'astuce, mais on ne lit aucune pitié dans ses yeux et sa promptitude à remplir les prisons de malheureux innocents. Et alors, c'est tout moi, ça? L'homme ne manque pas de courage. Je n'ai pas plus peur que toi, jefe. Quant à l'astuce, n'en parlons pas. Et puis, t'as jamais mis personne en prison, jefe. Et je ne vais plus qu'on m'appelle jefe. Je vais qu'on m'appelle général, général Ganache. Il y avait tort. Il faut toujours croire ce qu'il y a dans les journaux américains. Allons bon, il manquait plus que ça. Il suffit que les gringos arrivent pour que tout aille de travers. Jefe, tu vas me laisser encore longtemps là-dedans? Il n'y a personne qui tient la cantina pendant ce temps. Mais général, et moi, j'ai mon épicerie. Vous êtes tous réquisitionnés. Garde à vous! Qu'est-ce que vous faites? Cette affaire ne vous regarde pas, seigneur. C'est mon devoir de capturer El Coyote. Aussi, j'élève une armée. Je vais faire de vous l'élite de l'armée mexicaine. En avant, marche! Monte, monte, monte. C'est pas gagné. Il va falloir garder un œil ouvert cette nuit. Mais je vous dis que tout ça, c'est des inventions. Je voulais devenir un journaliste célèbre, moi. Couvrir autre chose que les chiens écrasés et les haricots sauteurs. Peut-être, gringo, mais tout ce que tu inventes se réalise. Regarde, il y a bien une prison à Xochitl-Cotzingo. J'aurais dû me contenter de faire mon papier sur les haricots sauteurs. Courage, camarade! El Coyote vient te délivrer! Perico, laisse-moi tranquille. Il y a déjà assez d'ennuis comme ça. El Coyote, tout est fait! Et le piège implacable se referma sur les méchants. Tu oublies que je suis un barbare féroce, capable de rivaliser avec les plus fins sacrilèges. Stratège, pas sacrilège. Fais ta prière, hombre. Hein? Enfin quelqu'un qui veut jouer? En temps plan, non!
Eux, ils seront contents si je leur apporte le bâton. Rentemplant, rapporte. Donne. Allez, bon chien, Rentemplant. Il en veut mon bâton. Il l'aura pas. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure du souper. Souper? Il a dit souper? Oh. C'est pas un peu fini, ce bouquin? J'aimerais dormir, moi. Bravo, amigo! Tu ne regretteras pas d'avoir rejoint El Coyote. Ils abusent des haricots dans leur cuisine. Oh, oh. Alors, gringo, quel est le programme aujourd'hui? J'en sais rien. Je sais plus rien. C'est marqué dans ton journal. Lis. El Coyote s'empara d'un dépôt d'explosifs dans le but d'attaquer Xochitlcoatzingo et régler une fois pour toutes ses comptes avec le général Ganache de Mahom. Manuel! Manuel! Tu sais où il y a des explosifs? À la mission de San José, il y a des feux d'artifice pour la Santa Lucia. Manuel, à partir de maintenant, tu es El Cattivo Gato, mon cruel lieutenant. C'est bien comme ça que tu l'as appelé, gringo. Oui, c'est comme ça. Si je m'en sors, je me reconvertis dans la fabrique de cierges. Non! Pas les vaches de Tan Pilar! Ma Dolores, c'est pour la barricade. Nous sommes en guerre. C'est écrit dans les journaux. El Coyote va nous attaquer. Que Perico et toi, vous ayez perdu vos pieds et votre nez, ce n'est pas une raison pour cacher les vaches de Tan Pilar! Tout ça, c'est de votre faute, Yankees, gauche-homme. Si ça ne tenait qu'à moi. Général, général, regardez ce que nous avons trouvé. Il y a un tas de boulets avec. Oh, Santa Felice, qu'il est beau! Bon, je vais aller trouver votre beau-frère et régler cette affaire à ma façon. Je vous rappelle qu'il a kidnappé un ressortissant américain. El Coyote connaît ses déserts comme sa poche. Il vous faudra plusieurs semaines pour les trouver. Faites comme moi, seigneur. Attendez-le ici. Installez la batterie à l'entrée du village. Laquelle, général? Par où tu entres, habituellement, Miguel? Et par là, général. Eh bien, l'entrée, c'est par où tu entres, et la sortie, par où tu sors. C'est clair, non? Mais moi, je sors souvent par là. Et il rentre par là. Et moi, il m'arrive d'entrer et de sortir par la même entrée. Vous avez raison. El Coyote peut ruser et entrer par la sortie. Bien, laissez le canon où il est. Il y avait un village de rentemplants dans ce pays et il a fallu que je tombe dessus. On m'appelle? Nous allons entrer dans Xochitlcoatzingo et dans l'histoire. Et de... Ah, je me souviens plus de ce qui est marqué, gringo. À la suite de... À la suite de l'éblouissante sauvagerie d'une charge de cavalerie roulant comme mille tonnerres. Vous avez entendu, amigos? Perico, Don Salvador ne va pas être content quand il va s'apercevoir que tu as volé les feux d'artifice de Santa Lucia. El Coyote ne craint ni Don Salvador ni le diable. La bataille de Xochitlcoatzingo commence, gringo, exactement comme tu l'as décrite. Au fait, tu ne m'as pas dit qui c'est qui gagne. Non, gringo, ne me dis rien. Tout compte fait, je préfère ne pas savoir. Il faut laisser un peu de mystère dans la vie. Mais qu'est-ce que je fais là? La même chose que moi, seigneur. Ne pas contrarier un fou avec un pistolet. Y a pas beaucoup de monde à ce vide-grenier. Joli. Là-haut. Ça vient de là-haut. C'est curieux, ça.
Il suffit d'organiser un vide-grenier pour qu'éclate un orage. Dites donc, Manuel, on dirait qu'il y en a une qui est tombée sur votre cantina. Fuego! Général Thomason! Chargé! Bon, ça suffit, vous deux! Dolores, c'est moi, ton pequeño pato. Il n'y a plus de pequeño pato. Vous êtes de locos, borrachos, poltrones, haragans, ingratos! Poltrones, borrachos, ingratos, haragans! Je suis désolé. Si j'avais pu prévoir, je dois rester avec eux, les aider. Non, surtout pas. Vous avez assez fait de dégâts comme ça. Alors comme ça, toute cette histoire, c'était du bidon. Vous êtes viré. Mon cher Sneeze, ça vous dirait de devenir conseiller du président des États-Unis? C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous, Lucky Luke? Luke? I'm a poor lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins, revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Les Dalton allaient se farcir la fête annuelle du pénitencier 1276 fois. Je serai à la retraite, moi, d'ici là. Bon alors, vous avez compris? Au début, on saute comme ça, l'air de rien. Et puis, discrètement, on va de plus en plus haut. Et quand on est assez haut, paf, on plonge par-dessus le... Ah! Je mangerai bien des brocolis. Il est midi aujourd'hui, c'est brocolis. Les gars, je suis devin. J'avais deviné qu'on aurait des brocolis. Vive le pouvoir de mon esprit. Si t'es devin, devine ce qui va t'arriver là maintenant tout de suite. Tu vas te jeter sur moi et m'étrangler. Gagné. Du canjo. Jaloux. T'es jaloux du pouvoir de mon esprit. Bravo!
assez charmante danseuse, à la cuisse velue mais légère. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter nos pensionnaires les plus célèbres dans un numéro surprise. Voici les Dalton! Bravo! Ouais, bravo! Où est encore passé cet imbécile d'Avrel? Il veut faire son propre numéro. Une surprise, qu'il a dit. Tant pis, on s'évadera sans lui. Cher canaille, cher racaille, le numéro que nous allons vous présenter s'appelle l'envol des ballerines. Je ne tiens pas à ce que l'envol des ballerines se transforme en évasion des Dalton. Les Chiluks! Encore les Chiluks! Toujours les Chiluks! Du calme, Joe! Les Chiluks! Je veux lui faire la peau, moi, cet empêcheur de s'évader en bon! Tala! Je suis le grand mage Averell Ishnou, Dalton Ipu. Petit homme colérique, laisse-toi guider par Averell Ishnou. Yappé, lâche-moi, imbécile! J'aimerais un autre volontaire. Oui, vous là-bas, le jeune homme à la chemise jaune. Hein? Mais vous ne pouvez pas refuser après avoir saboté le précédent numéro. Pas lui! Pas lui! Et maintenant, le grand mage Averell Ishnou Dalton Ipu va, sous vos yeux, ouvrir ses menottes par le seul pouvoir de son esprit. Ça risque d'être long. Je fais le vide dans ma tête. Te fatigue pas, Averell, c'est déjà fait. Oh, 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 oh. Menottes, ouvrez-vous. Oh, sans entraînement, forcément, c'est le claquage cérébral assuré. Détachez-moi! Je veux pas rester une seconde de plus accroché à ce coyote puant! Mais bougez-vous, bon sang! Allez me chercher la clé! La clé? Mais quelle clé? C'est pas à nous, ces menottes-là! La clé, hein? Où tu l'as mise, la clé, hein? Essayez de vous rappeler. Elles viennent bien de quelque part, ces menottes. Attendez, attendez... Ah! Oui, ça me revient. Voilà quelques jours, j'ai eu la visite d'un représentant en menottes, un certain Redneck. Ah non, non, Longneck, c'est ça, Longneck. Il voulait me vendre des menottes. Il prétendait que ces menottes étaient indestructibles. Indestructibles! Ah, ah, ces charlatans, ils vendraient des pains de glace à un Esquimau. Et pour ce qui est des menottes, je suppose qu'elles sont tombées de la valise de Longneck et qu'Averell les a ramassées. Bref, on ne retrouvera pas la clé. Est-ce que quelqu'un a une scie, une lime ou quelque chose comme ça? Yeah oh oh. J'abandonne. Ça alors, il disait vrai, elles sont bel et bien indestructibles. Je ne vois qu'une solution, le retrouver. Je suppose qu'il écume tous les pénitenciers de l'Ouest pour vendre ses menottes. Je lui tordrai bien le cou à ce long nec. Ça n'a pas l'air d'aller. J'ai horreur de quitter la maison. Tu sais, nous autres les mules, on est un peu pantouflardes. Tu peux numéroter tes abattis, Luc. À la première caste descend. Les Indiens! Tous à l'abri!
vouloir filer de la camelote à George Armstrong Custer. Cet exercice est une pantalonnade. Tout se ligue contre Custer pour l'empêcher de mener à bien son prodigieux dessin qui lui ouvrira grand les portes de l'histoire et celles de la Maison Blanche. Calmez-vous, général. Nous allons poursuivre nos recherches. Vous avez besoin d'acier. Pas n'importe quel acier, de l'acier indestructible. Oui, militaire, vous avez bien entendu, indestructible. Fabriqué dans un alliage de mon invention à base de fil de haricots verts. C'est très solide, le fil de haricots verts. Indestructible, dites-vous, mon garçon. On peut pas rester là sans rien faire. S'évader? Sans Joe? Impossible, c'est toujours lui qui a les idées. Vous oubliez mon pouvoir, les gars. En l'absence de Joe, qui de nous deux l'étrangle? Suzanne, ouvre-toi. Abri, abracadabro. Bah allez, Suzanne, tu vas t'ouvrir, oui ou non? J'ai réussi. Hey, les Dalton, comme vous avez un lit libre, je me suis dit qu'on pouvait... Sur le marché, je suis fakir. On n'aura pas de mal à les retrouver, il n'y a qu'à suivre les traces. Alors Joe, on se dégourdit les jambes? J'y arriverai, Luke, je te tuerai. Mes frères doivent déjà être sur nos traces à l'heure qu'il est. Ils te tomberont dessus quand tu t'y attendras le moins. Ah ouais, y'a qu'à suivre les traces. Et alors, tout le monde peut se tromper, non? Aïe! Calmez-vous, les gars. Je vais le retrouver, moi, Joe, grâce à mon pouvoir. Je vois... Je vois un désert tout noir. Je vois Joe. Oui, c'est Joe. C'est lui. Joe, c'est moi. Il me fait bonjour aussi. Mais voyons, Joe, c'est seulement pour savoir si notre homme y est passé. On ne reste pas. On est complet. Oh. Nous cherchons un certain Longneck, un vendeur de menottes. Je vous dis qu'on est complet, n'insistez pas. Oui, il est passé, monsieur, il y a deux jours. Il est parti vers l'ouest. Cette nuit, on dormira à cheval. Et moi, je dors debout. Joe! Chut! Arrête, imbécile, tu vas nous faire repérer. On va passer la nuit ici, et demain, on reprendra nos recherches. Vous sentez, les gars? Il y a une couverture en fourrure. On va avoir bien chaud. Ah, ça, c'est quoi? Oh, c'est mouillé. C'était pas une couverture!
Bonsoir, Joe. Bien dormi? Je t'aurai, Luc. Halt! Qui voilà? Salut, l'ami. Je suis à la recherche d'un... Mais... Oh. Lucky Luke, vous êtes Lucky Luke. J'en reviens pas. Vous me connaissez? Vous êtes mon idole. Je ne manque pas une seule de vos aventures. Etc. Taré. Attendez, attendez, bougez pas. Vous allez me signer un autographe. Je m'appelle Hank, Hank Hornet. Vous savez, je ne suis qu'un pauvre cow-boy solitaire. Il est bizarre, votre ami. Oh, juste un peu farceur. J'y arriverai, je le tuerai. Et pour ce long neck, allez donc voir à Robert Gulch. C'est un point de passage obligé, on y passe et on y trépasse. Merci, Hank. Allez, Joe, en route. Bonne chance. Rob Gulch, pendaison à toute heure. Je te conseille de te tenir tranquille, Joe. On a la corde sensible dans ce patelin. Oh, c'est moi, Joe Dalton. Vous savez, Joe Dalton, le bandit le plus dangereux de l'Ouest. Et je suis avec mon complice, on s'est évadé. Pourquoi tu joues, Joe? S'ils te prennent pour mon complice, ils vont te pendre. Et s'ils te pendent, tu seras mort. Et moi, eh ben, j'irai danser sur ta tombe. Réfléchis un peu, Joe. Si je suis ton complice, c'est que tu es le mien. Donc s'ils me pendent, ils te pendent aussi. Hein? Rendez-vous! Vous aurez un procès équitable avant d'être pendu. Ne tirez pas, shérif. Mon nom est Lucky Luke. Je ne suis pas un hors-la-loi. C'est ça. Et moi, je suis la petite sœur de Thomas Edison. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Dommage. J'avais une corde toute neuve. Rien de cassé, Joe? J'y arriverai. J'y arriverai. Je tuerai Lucky Luke. Alors, pas trop peur? J'ai revu défiler toute ma vie. Ça calme la faim de faire semblant. Tu veux une cuisse? Ah, je vais l'étrangler! Vous sentez, les gars? Quoi? Les patatons là! Par ici! Cherche, Avril, cherche! Calme, Avril, calme! Je me demande où peut être ce long neck. Quand je t'aurai tué, je le tuerai aussi. Un peu de lardon avec tes patates, Joe? On va les prendre par surprise! Dis-moi, Joe, si tu savais fabriquer un alliage indestructible, t'en ferais quoi? Une armure pour te faire la peau. T'aurais beau tirer et tirer, moi j'avancerai, je te tendrai le cou. Pas bête. Eh oui, tu as raison, l'armée. Allez, on selle, Joe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on les a retrouvés? On attend et on observe. Oh! Il en reste un peu sur les pierres. Il y a des fois où il me fait vraiment penser à Rentemplan. Hep, soldat! Mon nom est Lucky Luke. Je suis à la recherche d'un vendeur de menottes. J'ai ordre de ne laisser entrer personne. Circulez. Ça va de se faire tirer dessus à la fin. À la garde! À la garde! Lucky Luke, vous avez dit Lucky Luke. Oui, mon général, c'est ce qu'il a dit. Il est à la recherche d'un vendeur de menottes. Lucky Luke,
Personne, vous entendez? Personne, et encore moins ce civil, ne viendra contrecarrer les plans de Custer. Calmez-vous, général, il ne peut rien soupçonner. Vous croyez? Grâce à mon arme indestructible, j'envahirai le Groenland, je mettrai à genoux tous les Esquimaux, et après, je prendrai en tenaille le Canada, et en tenaille. Quelque chose me dit que Longneck est dedans, et j'en aurai le cœur net. Je serai pour toi un poids mort. Tu es fait, Luc. Oh! Chut. J'y arriverai. Un jour, j'y arriverai. Votre chili con carne, monsieur Longneck. Bien pimenté, comme vous l'aimez. Avril, fais-nous la courte échelle. Pourquoi c'est toujours le plus grand qui doit faire la courte échelle? Je présume. Ah! Mon nom est Lucky Luke et voici Joe. Mais sortez-moi de là! Ils sont tous complètement fous! Ils m'ont fait construire un blindage pour mettre sur un chariot. Complètement fous! Ah non, ça n'a aucun avenir ce genre de choses. Alors que les menottes... À propos de menottes, vous avez la clé? Non, désolé, c'est le général qui les a. Là, Joe, tu as eu une idée de génie. Ça alors? Ça doit venir des fils de haricots verts. Sortons d'ici. Joe? Je vais y arriver! Oh, je vais y arriver! Comment on arrête ça? C'est quoi ce vacarme? Chut! Au silence, surtout! Au silence! J'ai l'impression qu'on recule! Mon char! Où est mon char? Il faut que je vous dise, général, il semble que mon alliage ait un léger défaut dans sa cuirasse. Quand on met du tabasco, il fond. Aucune importance, mon général. On ne trouve pas de tabasco au Groenland. Fusillez-moi toutes les bouteilles de tabasco que vous pourrez trouver. J'y étais presque. J'y étais presque! Tu me manquais, Joe. À nous aussi, Joe. Moi, cette balade m'a donné faim. J'espère qu'il reste un peu de brocoli à la prison. Tais-toi, Avril! I'm a poor lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In
the desert, there is personne. Never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Comme un garçon, j'ai le beau poil au menteau. Comme un garçon, je commande un bataillon. Comme un garçon, je suis la terreur de la région. 3 heures en plein soleil, quelle bonne idée. Excellent exercice pour la troupe, colonel Oswald. Mais, qu'est-ce que nous attendons? Un émissaire extrêmement important de Washington, capitaine, tout de suite. Pour une mission ultra secrète. Enfin du travail intéressant. Ça va me changer de ces racailles d'Indiens et de leur putois de chef de Patromino. Le voilà! Garde à vous! Les hommes sont déjà au garde à vous depuis ce matin, mon colonel. Garde à vous, mieux que ça! Bah, il fait calme ici. Ça va pas durer. Everett Beetle, mes amis m'appellent Evie. C'est toi, Oswald? J'attendais un envoyé important de Washington. Eh ben, me v'là. Je suis stagiaire à la Maison Blanche. Comme ils avaient personne, c'est moi qu'ils ont envoyé. Ils sont bien rangés, les petits soldats. C'est des vrais? Monsieur Beetle, vous avez une seconde pour vous comporter comme un digne représentant des États-Unis d'Amérique et me dire en quoi consiste cette mission ultra secrète. Hé, hey, Will, déballe! Je vous présente la grosse Pamela, ultra secret. Avant de la montrer à son état-major, le général Grant veut qu'on fasse des essais. Il viendra personnellement voir le résultat. Et rappelez-vous, c'est secret défense. Personne ne doit voir Pamela. Personne. Sauf vous et votre ouf, les soldats. Allez, bye. Pamela, Pamela. Je te promets qu'aucun civil ne te souillera du regard. Il fait beau, hein? Avril! Je me demande ce qu'on a fait pour mériter ces travaux manuels en plein air. Joe, lâche ton frère ou tu vas devenir un bagnard troué! Colonel Oswald, pourquoi tous mes gardes et bagnards ont-ils été réquisitionnés pour ce chantier? Cher directeur, les tunnels creusés par les coyotes échappés de votre passoire ont sapé la voie ferrée. Mon beau convoi secret défense doit pouvoir passer dessus tranquillement. Colonel Oswald, la voie est prête. Lancez l'opération paupières scellées. Alors, ça vient, capitaine, tout de suite? Oui, oui, mon colonel. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Secret défense. Fermez les yeux. Comptez jusqu'à 700 à l'envers et ne trichez pas. Ouais, j'aime bien. Fermez les yeux! Fermez les yeux, coyote! Main sur le visage! Tous! On va peut-être nous faire une surprise. J'espère que tu triches pas, Joe. Si tu la fermes pas, tu vas l'avoir, ta surprise! Fermez les yeux en silence! Appelez Pamela. Appelez Pamela! Pamela? Ah!
que j'ai toujours attendu. Ah! On aurait pu laisser la bâche, ça aurait été plus simple. C'est moi qui donne les ordres. À cheval! Non. Oh non, 236. Désolé, colonel, ça ne m'amuse plus. Colonel? Colonel? Monsieur le directeur, une évasion! Ne me dites pas que ce sont les Dalton. Je vous le dis pas, mais c'est quand même les Dalton. Télégraphié à Lucky Luke. Le message habituel. Mais c'est de la triche! Avril, la ferme! Doucement, doucement, vous avez rayé Pamela. Obus de type 1. Impact délicat. Pamela, c'est l'heure du récital. Étonne-nous. Cactus éploré, tu as encore oublié les crânes de gerboise pilées. À chaque fois qu'on va en pique-nique, c'est pareil. Patromino est mécontent. Et qui mécontent de son chef, mécontent Wonka Tanka. Que Wonka Tanka se calme, Patromino plaisantait. Une explosion en plein désert. Serait-ce les Dalton? Pamela, je t'aime. Capitaine, tout de suite! Vite! Second essai. Obus de type 10. Désintégration maximale. Est-ce bien prudent, mon colonel? Pamela est un prototype. Ne devrait-on pas y aller doucement avec un obus de type 2? Fragmentation modérée. Vous êtes un tiède, sans passion, capitaine, tout de suite. Chargez-moi cet obus et au trot! C'est encore ce crotal gluant de colonel Oswald qui pourrit l'existence de Patromino avec un bâton géant qui crache le feu en plus. C'est curieux, pourquoi le crotal gluant tire cette petite ficelle? Allez, Pamela, deuxième couplet. Encore une explosion. Colonel Oswald, ta maman était la fiancée d'un chacal. Patromino, jure qu'il te prendra ton bâton géant qui crache le feu et écrabouillera ton fort avec toi dedans. Allons jeter un coup d'œil. Pamela, pourquoi m'as-tu fait ça? Il faut la rattraper! En selle, vite! Où sont les chevaux? Ben, avec le boucan, ils se sont tous enfuis. Rattrapez-les tout de suite ou je vous transforme en steak tartare. Dites, je viens de voir passer un train furieux en marche arrière avec un canon énorme dessus. C'est à vous? Vous avez vu Pamela? Je vous arrête! Écoutez, je suis à la recherche de quatre bagnards évadés. Et si ce canon tombait entre leurs mains... Secret défense! Pamela est un canon secret défense! Personne ne doit l'avoir! Ni les bagnards, ni vous! Descendez de ce cheval! Bon. Je vous laisse faire joujou avec vos petits soldats. Bonne journée. Et ces canassons, ça vient! Désolé, mon colonel, c'est tout ce qu'on a pu trouver. Elles n'ont rien d'autre à faire que de regarder passer les chevaux, celles-là. Un canon ferroviaire. Les Dalton en cavale. Minux Gulch, seule ville de la région avec une gare. Et une banque. Bon, passons d'abord à la banque. Ce qu'il y a de bien avec les Dalton, c'est qu'on sait toujours ce qu'ils vont faire avant qu'ils n'y pensent. J'ai toujours rêvé d'être conducteur de train. Quel dommage d'avoir mal tourné. Ça t'apprendra à être grossier.
Bon, vous avez été vacciné aux genouilles? Plus vite, Chipmol! Pompez! Pamela nous attend. Pamela! C'est Pamela! Ils foncent sur nous! Marche arrière! Pamela a reculé en marche avant, ce qui a inversé sa marche arrière dans l'autre sens. J'ai rien compris. Tu peux répéter, Joe? Joe, 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 Joe. Abandonner un gros canon comme ça, c'est quand même bizarre. Jack, William, apportez un obus. On va faire un essai. Avrel, arrête ton cirque. Ben quoi? Si on veut le faire partir, ce train, faut bien que je m'entraîne. Tcha, tcha. Avrel, viens nous aider. Tcha, tcha. Pas le temps. Je cherche la marche arrière. Si ce train recule, je jure de te lécher les orteils. Pamela, c'est l'heure du récital. Étonne-nous. Très rigolo, Lucky Luke. Vous connaissez celle du bison sourd-muet et du coyote nain? Je suis sérieux, shérif. Les Dalton risquent de débarquer. Sur un canon géant à roulette perdu par l'armée, je sais. Et vous voudriez que je fasse évacuer Minux Gulch pour si peu? Ça va, shérif. Ça ira bien qui rira le dernier. On va quand même attendre les Dalton ici. Pamela, tu tapes dur et tu fonces. Avec toi, je vais désintégrer toutes les banques de l'Ouest. Oh! Et, vous avez vu? Avec une marche arrière comme ça, aucun shérif ne pourra nous attraper. Même ce coyote de Luc. Minux Gulch, ville égale banque. Avrel, aiguillage. Un serment, c'est un serment. Ils sont encore rouges. Ils sont passés par ici. Plus vite, plus vite. Mon colonel, c'est le cheval qu'il faut éperonner, pas moi. C'est pas bon de pas avoir de parole. Grouille-toi, Avrel. Pamela s'impatiente. La douce voix de Pamela, je la reconnais. Elvira O'Grini, tu as encore oublié la purée de foie de coyote. À chaque repas de famille, c'est pareil. Papy O'Grini est mécontent. Et qui mécontente Papy O'Grini, mécontente le Tout-Puissant. Que le Tout-Puissant se calme, Papy O'Grini plaisantait. Pamela, t'as une voix d'ange. Oh, je vais regretter d'arriver. Ah, Pamela, tu es plus très loin, je sens déjà ta présence. Moi aussi. Tunique bleue malade sous leur scalp. Tant mieux. Le bâton géant qui crache le feu sera plus facile à voler. Un coup d'obus? Faut arrêter la tisane, old-timer. Ici, les truands ont des colts, pas des canons. Levez vos grosses fesses de votre fauteuil, shérif, pour trouver les chaligots qui ont bousillé ma ferme. 23h10 de Yuma? Déjà? Oh! Où est la banque, coyote? Derrière la gare, à droite. Chers bousseux de Minux Gulch, les Dalton vous présentent Pamela et la pluie de dollars. La
tout au rail, comme ça, pas de recul. Hein? Lucky Luke! Joe, lâche ce canon et rends-toi. Lucky Luke, je vais t'exterminer à coups de Pamela! Merci, old chap. Sans toi, j'étais un cow-boy écrabouillé. Et moi, je devenais un cheval solitaire. C'était une balle de colt qui a fait ça, hein? Oh! Et en plus, ils ont piqué nos chevaux! Merci, Wanka Tanka, de nous envoyer le bâton de feu à roulette géant! Que veut faire, mon frère? Patron Mino, maîtrise la situation. La cavalerie sans monture n'est plus la cavalerie. Que les petits montent sur les gros. Est-ce que le contraire ne serait pas plus réglementaire, mon colonel? Exécution! Tout le monde en selle! Parfait! En route, messieurs, Pamela nous attend. Ah oh! Romino va aplatir ton terrier de chacal! Pamela, arrête-toi! C'est moi, Joe Kitten! Pamela! Colonel? Plus vite, chérif! Attrapez ces coyotes! Que j'en fasse du paquet! Tout le monde a vu mon beau canon ultra secret! Messieurs, au galop! La cavalerie n'abandonne jamais! Plus vite, frère! Patron Mino a hâte de faire cracher son bâton géant! Dommage que ce crotal gluant d'Oswald ne soit pas dans son tipi! Cache pas mes lacs, coyote! Lâchez vos armes, coyote! Lâche ton arme, coyote! Je vais vous exploser comme ma ferme! Lucky Luke, je vais t'écrabouiller! D'abord le tipi d'Oswald. Ah, chien de prairie! Impossible de tirer. Oh! Shérif, à vous les Dalton! J'essuierai mon chien avec ton scalp! Pitié, moi! Grand ami des Indiens! Main en l'air, tous les deux! Le 3h10 de Yuma! Bonjour à Wanka Tanka! Il risque de m'attendre. C'est le plus beau jour de ma vie! Je vais te désintégrer! À part ton copain le grand chef, ce canon est vide. Parfait! Comme ça, je me débarrasserai des deux! Allez, Joe, main en l'air! Bravo, old boy. Tu es aussi rapide qu'un cheval vapeur. Je suis surtout plus intelligent. Et où sont-ils passés? Au trou! Ils sont tous au trou! Et tu vas les rejoindre. Lâche-les, frère! Ouvre de chaligoutes, oiseaux de voleurs de cheval! Maman, Hugues! Dites de l'art sur le vieux visage pâle! Vous n'avez rien à manger, chérie! Et demain, au poteau! Comme tous tes copains qui ont osé poser les yeux sur ma Pamela ultra-secrète. Qu'est-ce qui fait sourire, rebelle, espion, saboteur? Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Votre tête, dans 5 minutes. J'ai jamais vu un tel bazar depuis Gettysburg! Encore des espions! Déguisés en généraux, en plus! Capitaine, tout de suite! Flanquez-moi ces coyotes au trou! À fusiller demain! Mon
colonel, je crois que vous faites erreur. C'est un ordre, exécution! Regardez-moi cette tête de crapule! Embarquez-moi ça! Colonel Oswald, cette tête est celle du général Grant, président des États-Unis d'Amérique, venu personnellement examiner le résultat des essais de Pamela. Excusez-moi, monsieur le président, mais c'est plus fort que moi. Un peu de respect, Lucky Luke. Un homme qui a sauvé son président n'a quand même pas tous les droits. Félicitations, colonel. Grâce à vous, ce canon ultra-secret, qui a un léger problème de recul, est connu dans toute la région. Mon général, c'est de la faute des Indiens, du shérif, du vieux Snook et des prisonniers. Faut les fusiller. Vous avez fait assez de dégâts comme ça. Je ne vais pas vous laisser en plus fusiller des électeurs et provoquer une nouvelle guerre indienne. Pitié! Donnez-moi une seconde chance. Une guerre indienne, une révolte d'ouvriers amatés. Je vous décevrai pas. Vous allez effectivement vous rendre utile. Un peu de glace, monsieur. Y a pas à dire. Ça bosse dur, un militaire. Les Dalton sont pas mal non plus. Pardon, Pamela. Entre nous, dites-moi, Luc, ça vous tente une carrière dans l'administration? Luc? Lucky Luke? Wanka Tonka, tu m'as accueilli dans tes plaines éternelles. Oh, du calme, mon gars. Je m'appelle Gustave, pas tonton Tonka. Comment t'as fait pour défoncer le toit de ma grange? I'm a full lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Luc, je suis très inquiet. Nous sommes sans nouvelles de Fort Greenwood depuis des semaines. Le commandant McAllister ne répond à aucun télégramme. Fort Greenwood, n'est-ce pas le fort en bordure du territoire des Ouachtatou? La tribu de bisons mal embouchés? C'est bien ce qui me préoccupe. Des rumeurs font état de tensions dans la région et McAllister n'est pas, disons, le plus diplomate de nos commandants. Si d'aventure vous passez dans la région, pourriez-vous... Mon nom est Lucky Luke. Je veux parler au commandant McAllister. Excusez-le, en ce moment, on est un peu sur les dents. Oh, je crains que vous ne vous soyez déplacé pour rien, Luke. Le secteur n'a jamais été aussi paisible. J'ai pourtant aperçu quelques flèches et des traces d'incendie. Oui, les flèches, eh bien, c'est, disons, elles datent des dernières batailles qui opposaient jadis nos peuples. J'ai tenu à les conserver afin que nul n'oublie combien la paix est précieuse. Quoi? Écartez-vous!
c'est ma mère. On ne les tient plus à cet âge-là. Smith, cessez cette corrida! Soyez raisonnable, Madame McAllister. Est-ce que je me baigne dans sa tisane, moi? Maman! Vous attaquez à une vieille dame sans défense? Mais vous n'avez pas honte! Rentrons, tu vas prendre froid. Non, je veux sortir de cette prison. Ah, si ton père était encore là, il te donnerait une bonne correction. Ton derrière rougirait, crois-moi. Quatre jours d'arrêt dans ta chambre. Pourquoi ne pas la laisser sortir, McAllister? Vous disiez vous-même que le secteur n'avait jamais été aussi tranquille. Vous! Occupez-vous de votre cabasson! Smith, raccompagnez le jeune homme à la sortie! Par ici, monsieur. Canasson? C'est la première fois qu'on me traite de canasson. Et si vous alliez faire un tour chez les Ouachtatou, vous comprendriez. Pour un territoire en paix, on semble bien méfiant ici. Qui es-tu? Que veux-tu? Mon nom est Lucky Luke. Un grand chef blanc m'envoie, grand chef. Il craint qu'une nouvelle guerre t'oppose à ses soldats. Dis à ton grand chef blanc que Bison mal embouché est aussi pacifiste que l'ours qui hiberne au fond de la caverne. Grand chef! Grand chef! Hé! Hey! Encore! Si Bison Grisonnant continue à faire le papouze, Bison mal embouché va enfermer Bison Grisonnant! Bison Grisonnant est le papa de Bison mal embouché. Décidément. Bison Grisonnant étouffe dans son tipi et il en a plein les mocassins de son fiston morveux! Bison mal embouché ne sait plus quoi faire avec son ancêtre tête de lard. Tu es encore là? Pars, sinon Bison mal embouché va s'énerver. Et quand Bison mal embouché s'énerve... Je ne voudrais pas troubler une aussi belle harmonie familiale. Manifestement, on nous cache quelque chose. Quelle perspicacité, ce cowboy. Bison Grisonnant ne doit surtout pas aller là où vous savez. Bison Grisonnant a besoin d'un bon cheval pour galoper vers le bonheur. Allons-y, mon brave destrier. Soldats nombreux pour protéger Dulciné. Mais Bison Grisonnant est encore agile. Il a de bon reste. Soldat mal rasé et piqué beaucoup. Bouhou! Bison, tu m'entends? Bouhou! Bison, je suis là. Bison, mais je suis là. Juliette est jolie, mais ses oreilles sont paresseuses comme l'opossum. C'est donc ça, une romance indienne. Mon bison. Juliette, belle comme jument sauvage galopant dans prairie.
Je ne dérange pas, j'espère. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au lit, à cette heure-ci. Je ne veux pas que tu vois cet Indien. Je le verrai si je veux. On va même se marier, si tu veux le savoir. Vous marier? Mais tu n'y penses pas. Si. Tu ferais bien d'en faire autant. Ça me ferait des vacances. Les yeux de Juliette enflamment le cœur de Bison. Ah, ce n'est pas ton cœur que je vais enflammer, c'est ton campement, Indien de malheur. Mon Bison. L'amour donne des ailes à Bison grisonnant. Oh, la peau de Juliette est douce comme le pelage de la loutre. Macalister, prépare-toi à mourir. Toi, viens ici. On s'expliquera au tipi. Si je le revois rôder auprès de ma mère, je lui coupe les plumes. Bison mal embouché prévient Macalister. Si Squaw approche encore son ancêtre, Bison mal embouché mettra le fort en copeaux. Ils sont complètement fous. Mon commandant, le dispositif de sécurité est en place, mon commandant. Une mouche ne passerait pas. Parfait. J'ai enfermé ma mère au gnouf dans sa chambre, je veux dire. Grand chef, le campement est fermé comme la carapace de la tortue, grand chef. Bien, l'ancêtre est consigné au tipi. Bison mal embouché peut aller faire une petite sieste. Pile, on s'en va. Face, on reste. On reste. Les deux tourterons ont besoin de nous. Ils jouent les indifférents, mais c'est insensible finalement. Ouvre la porte. Ah! Je dois sauver le soldat Ryan. Le soldat Ryan? Comme dit le commandant, comprendre c'est commencer à désobéir. Bonne nuit, maman. Ah! Elle a encore mis les bouts! Je t'enlève, mon Bison. Je connais un endroit où l'on pourrait se marier à moins d'une heure. Un cheval! Un cheval! Mon tipi pour un cheval! Eh? Tiens, tiens, Juliette a retrouvé son Roméo. Eh? Je vais en faire du carpaccio de ton Bison le père. Je donnerai ta mère aux fourmis rouges. Elles adorent la viande faisandée. Hop, hop. Laissez-moi faire. Mets les routes qui vous regardent, Luc. Si vous le prenez comme ça... Thank you.
Ansel, Jolly. Il faut retrouver les amoureux avant les deux excités. Nos frères de la plaine nous aideront à retrouver la femme blanche. En attendant la réponse, je vais faire une petite sieste. Bison grisonnant en fuite avec femme blanche très dangereuse. Stop. Les intercepter au plus vite. Stop. Merci à vous, frères de la plaine. Stop. Signé, Bison mal embouché. J'ignorais que vous lisiez les signaux de fumée, Smith. J'ai toujours adoré les langues étrangères. Grand chef, nous avons reçu une réponse par retour de fumée. Grand chef ! Hein ? Ils les ont retrouvés ? Non. Ils disent que nous devons laver nos tuniques sales en famille, au grand chef. La solidarité indienne n'est plus ce qu'elle était. Ça nous donne une bonne longueur d'avance, Smith. Je te sens cocasse sous ton scalp, mon bison. Grâce à Juliette, le bison grisonnant a retrouvé ses 75 ans. Bison grisonnant a rejoint le monde des esprits sans son scalp en queue de putois. Que le grand chef se rassure, les esprits n'attrapent pas froid. Cette fois, c'est la guerre. Luc, j'ai une faveur à vous demander. Juliette McAllister, acceptez-vous de prendre pour époux Bison grisonnant ici présent? Oui. Bison grisonnant, acceptez-vous de prendre pour épouse Juliette McAllister ici présente? Oui. Bison grisonnant veut marier Belle Loutre Radieuse. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Que le témoin signe les registres. Ouais. Pour $2 de plus, je vous fais faire tour de la ville en voiture. Non, merci. Une autre fois. Certainement. Dites-moi, comment se fait-il que vous soyez à la fois croque-mort et marieur? J'aime la pompe, la funèbre comme la grande. Édition spéciale, déclaration de guerre dans la réserve de Ouachtatou. Le célèbre bison mal embouché en guerre contre Fort Greenwood. Édition spéciale. Vos enfants vous croient morts. Tant mieux. Comme ça, ils nous ficheront la paix. Qu'est-ce qu'il dit? Là-bas, c'est la guerre. Ici, c'est l'amour. Et rien d'autre ne compte, c'est ça? Tout juste. Votre lune de miel risque de tourner au vinaigre. Comment ça? Réfléchissez, si vos peuples sont en guerre, votre couple devient impossible. Impossible de dîner à la même table, de voyager dans le même wagon, de partager le même hôtel. Qu'est-ce qu'il dit? On va leur faire passer.
c'est l'envie de nous pourrir notre lune de miel à ces garnements. Nous attaquerons demain. En attendant, allons dormir. Le combat sera épuisant. Tout papouze, déjà, fiston voulait toujours se battre. Et lui, têtu comme un troupeau de mules. Il est peut-être têtu, mais nous, nous sommes rusés. Voilà ce que nous allons faire. C'était un jeu d'enfant, Luc. Il dort à poing fermé. J'ai retrouvé mon scalp moumoute. Nous n'avons plus aucune munition, mon commandant. Nous combattrons quand même. À vos armes! Je ne comprends pas, j'ai fait sauter tout le stock de munitions. Et nous, on a volé les chevaux, les armes, les vêtements. Les voilà, mon commandant. On se battra sans chevaux, sans armes et sans pantalons s'il le faut. Mais on se battra. Préparez-vous à faire feu. Soldats, on tire au flanc pendant le feu. Ben quoi, je suis mort. Si on n'intervient pas, on est là jusqu'à Noël. Vous allez cesser ce jeu idiot et vous réconcilier immédiatement. Vous êtes beaux frères à présent. Nous sommes mariés. Mon peuple ne reconnaît pas le mariage blanc. Je suis prête à épouser vos traditions. Si le fiston fait encore sa tête de lard, Bison Grisonnant dira à tout le monde que le petit ruisseau de la nuit a longtemps mouillé le panier du grand chef jusqu'à l'âge de... Mais mon noble père n'oserait pas remettre en cause l'autorité de la chair de sa chair. J'ai moi aussi quelques anecdotes qui risquent de faire prendre un sacré coup à ton autorité. Si on parlait du doudou à popo. Cette tradition est imbécile. Le mariage est une loterie. Le dicton n'a jamais été aussi vrai. Il est à moi. Il est à moi. Maintenant que nous sommes frères, nous pouvons échanger notre sang. Après vous. Décidément, les tuniques bleues ne supportent pas le rouge. À vous, Luc. Vous méritez aussi d'être le frère de Bison mal embouché. Luc. I'm a bold lonesome cowboy. Thank you.
the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is this Caballero? The Emperor of the Far West, when he gains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Retourner. Cette tribu fait tout à l'envers. On s'évertue à signer des traités de paix avec eux et ils sont toujours en guerre. Il faudrait leur présenter en temps plan. À l'attaque! Eh ben les gars, on peut dire que vous avez de la chance. Par Saint Paprika, est-ce qu'on vous a demandé quelque chose à vous? Désolée, mademoiselle. J'ai cru que vous étiez en difficulté. Aussi vrai que le Seigneur nous voit, on leur aurait flanqué une sacrée dérouillée à ces sauvages. Merci quand même, beau brin. Les sauvages, on a l'habitude. Chez nous, on a les Anglais. Vous voulez un coup de main? Ouais. Faites-nous du café. Vous allez en Californie? On va retrouver nos fiancés, les frères O'Grani. Vous en avez entendu parler? Non, désolé. À Dublin, tout le monde les connaît. Mais avant, faut qu'on fasse réparer la roue du chariot. Indépendance n'est pas loin. Je vous y conduis si vous voulez. Je dois m'y rendre. Faudra être sur vos gardes. Indépendance est une ville de chercheurs d'or. Et ça fait des mois qu'ils n'ont pas vu une femme. Nous ne sommes pas des femmes. Nous sommes des jeunes filles. Il est beau gosse, tu trouves pas, Connie? Molly Donahue, je te rappelle que tu es fiancée. Silverton, on est arrivé. Je peux vous aider, ma'am? Non, moi, madame. Moi. Prenez ma main, madame. Non, la mienne, la sienne est dégueulasse. Te laver ma main dégueulasse sur ta figure. Ouais, c'est ce que je craignais. Les hommes sont si prévisibles. Ça me rappelle le pays. Voulez-vous que j'aille voir si on peut réparer votre roue? Nous sommes tout à fait capables de faire nos commissions nous-mêmes. J'ai toujours dit que rendre service, c'est faire des ingrats. Je vais vous réparer votre roue, ma'am! Non, moi! Non, moi! Moi! Vous avez une chambre? Avec ou sans punaise? Sans punaise, avec supplément, hein? Sans punaise et avec baignoire. Il pourrait y avoir un tonneau vide dans la remise. On peut le remplir d'eau, mais si vous tenez à de l'eau propre... Ça fera un supplément, entendu. Dépêchez-vous! On nous attend en Californie. Les cieux est foncé, madame. On en a pour la journée. Vous voulez pas rester ici pour la soirée, madame? On organisera une fête en votre honneur. Une fête? Oh, Connie, s'il te plaît, ça fait si longtemps. Pourquoi pas? Mais comme tout le monde! Allez à la queue! C'est bon, t'es prêt?
propre à mon tour. Toby, tu te retiens ou je te plombe? Sacrée femme, hein, Joshua. Pour sûr, Barney, pour sûr. Pense que tu es fiancée, Molly. Je ne pense qu'à ça, Connie. Et voilà! T'as vu, Alabama? Ils ont le sens de l'hospitalité par ici. Mais d'habitude, c'est pas avec des fleurs qu'on nous reçoit. D'veux mon avis, Alabama, c'est pas nous qu'ils attendaient. Oh. Vous m'attendez cette chose, femme? Vous ne dansez pas? Non, je n'ai jamais su sur quel pied danser. Et moi, les danses, je préfère les donner. Ce soir à Bert. Vous bagarrez pas non plus? Bon, je suis tonné, l'eau. Ça me tente pas, soir. On connaît personne. On a d'abord brisé la glace. Voilà qui est fait. Ça me rappelle le baptême du petit Homoloy. Et moi, le mariage de Patrick O'Halloran. Elle vaut son pesant d'or. Bordel! Je crois que j'ai le coup de foudre! Pour une belle fête, c'était une belle fête! Oui, mais il y a un temps pour tout. Demain, nous reprenons la route. Épousez-moi! Et tout l'or que j'ai trouvé est à vos pieds! Non, moi, j'en ai plus que lui! J'ai des pépites grosses comme ça! Elles sont pour vous! C'est moi le plus riche. Je les arnaque tous. Moi! Je mets ma parcelle à votre nom! Mon or et la montre en argent de papa! Moi j'ai rien, mais je vais en trouver plein! Nous sommes flattés, mais c'est impossible. Nous sommes fiancés. Et alors? Je me suis bien fiancée 11 fois. Mais vous, vous n'êtes pas irlandaise. Qu'est-ce qui nous empêche de vous retenir de force et de vous tirer à la courte paille? Moi. Dites donc, vous! De quoi vous mêlez-vous? Connie, c'est pas le moment. Jean-François, tu penses à ce que je pense? Oui, je prendrais bien un autre verre. Mesdemoiselles, la nuit s'est bien passée? Oui, à part ces deux types qui ont tenté de s'introduire dans le chariot. La poêle de Tante Marie est fichue. Vous avez l'intention de prendre la piste qui traverse les Rocheuses? En quoi ça vous regarde? Elle est bloquée en plusieurs endroits par des éboulis. Je suis d'ailleurs chargé de trouver une route plus praticable pour les caravanes. On n'a pas peur des éboulis. Hé, Miss Bellingham, hé, Miss Yelverton. Eh bien, je plains les frères O'Grany. Oh, à chaque marmite son couvercle, cowboy. Connie, on est suivi. La mélasse, Molly. Rien de mieux pour se débarrasser des types collants. Bon, tu t'occupes des mules et moi des filles. Ça roule. Au prix de la mélasse, c'est du gaspillage. Ça me rappelle le goudron à l'Alabama. On va changer de tactique et les attirer dans un piège. Qu'est-ce qui attire irrésistiblement une femme? Eh ben, un magasin de chaussures.
Impossible de passer. Dire que la Californie et la ferme des O'Granny ne sont plus qu'à 2 jours de trajet. Oh, Connie, j'imagine leur tête quand ils vont nous voir alors qu'ils nous croient encore à Dublin. Je sais ce qu'on va faire. On va faire appel à leur instinct maternel. Je vais imiter les pleurs d'un bébé pour les attirer. C'est imiter le cri d'un bébé, là-bas, mais... Qu'est-ce que t'en penses, Jean-François? Je pense que t'as pas dû souvent fréquenter les bébés à là-bas, mais... Par contre, pour imiter l'ours en rut, t'es pas tant à Alabama. On peut treuiller le chariot le long de la paroi. Oui, mais il nous faudrait de l'aide. Toute seule, on n'y arrivera jamais. Molly, tu entends? On dirait des pleurs. Et deux. Avec ces 4 bras en plus, ça va être du gâteau. On peut dire que vous tombez à pic, vous deux. On a de la chance. Ça se discute. Vous n'oseriez jamais tirer sur une femme. Je suis pour l'égalité des sexes. Il doit pourtant exister un passage. J'ai toujours préféré la campagne à la montagne parce qu'à la campagne, il n'y a pas de montagne. Tiens, tiens. Allons bon. Rien n'a été volé, excepté nos 2 Irlandaises. Et les mules alors? Elles comptent pour du foin? Les traces conduisent à Indépendance. Je sais ce que tu penses, Jolly. On va encore se mêler de ce qui ne nous regarde pas et se faire engueuler par Connie Donahue. Exactement. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour trouver un défilé. Nous allons procéder à la mise aux enchères de ce premier joli petit lot. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une superbe rousse. Diligente comme l'abeille, belle comme un oiseau de paradis, fidèle comme une tourterelle... Humble comme l'agneau. Alabama a toujours été poète. Sans navet, lynx libidineux. Celui qui croit pouvoir se payer une Donahue par Saint Paprika. Je promets que je le vivisecte, je les trie de la tête à la queue. Connie tient toujours ses promesses. Elle a bien sûr son petit caractère. Mais il en faut pour survivre dans nos contrées âpres et sauvages, n'est-ce pas? Je vous garantis qu'elle fera une épouse parfaite. Et une veuve tout aussi parfaite. Allons, monsieur, une occasion comme celle-ci ne se représentera pas. Mise à prix, 1 sac de pépites. 2 sacs de pépites. 2 sacs de pépites pour ce gentleman à ma gauche. 2 sacs de pépites plus mes dents en or. 3 sacs de pépites et un bon pour une consommation gratuite. 5, 6, balle en plomb de ce colt. Attention. Le beau gosse! Adjugé. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veuille encore enterrer sa vie de garçon? Faut dire que les mariages d'argent ne sont jamais heureux! On aurait pu très bien se débrouiller toute seule, hein. Vous savez, on en a vu d'autres. Connie Donahue, ça suffit! Il nous a sauvés 3 fois! Et on a besoin de lui pour nous aider à treuiller le chariot. Vous avez l'intention de hisser votre chariot le long de la paroi? Allons, allons. Je suis sûre que sous ces dehors maigrichons se cachent des muscles d'acier que rien n'effraie. Ah, il nous faudrait au moins 2 hommes en plus. Et nous avons des circonstances atténuantes, une enfance difficile, des parents séparés... Chanceux, ça descend. Dire que je suis devenu bandit pour pas avoir à travailler. Encore un effort et tous nos ennuis seront derrière nous. Ah! Ouais, vous pouviez pas mieux dire. Non!
Les têtes retournées pleurent au lieu de rire. Maman m'avait bien dit que je finirais à la potence. Eh bien, mon vieux Jolly Jumper, nous l'avons trouvé, ce fameux passage. Comme quoi, quand on cherche un chemin, le plus simple est de le demander aux gens du coin. Connie, notre chariot, nos provisions, notre trousseau, le chandail de Thomas au granit, tout est perdu. Molly, quand on peut pas changer les choses, on change de sujet. De là, sachez que cette fois, je vous en serai très reconnaissante. Mauvais jour à toi, au lombric indigent, notre chef, plus pouilleux que le plus pouilleux d'entre nous. Mauvais jour à toi aussi, poule effarouchée. Tu as fait quelques amis à ce que je ne vois pas. C'est faux, pauvre imbécile. Nous nous sommes pris d'amitié pour eux, alors qu'ils ne cherchaient pas à envahir nos terrains de pêche. On a peut-être une chance de s'en tirer. Suis-moi, Jean-François. Oh, grand chef, nous sommes vos amis. Ouais, ouais, vos amis. On est les ennemis de vos ennemis, donc vos amis. La 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 la. Ils n'ont rien compris, ces idiots. C'est toi qui n'as rien compris. Vois pas qu'ils font tout à l'envers. Viens, mon ami. Pourquoi nous ont-ils donné des écuelles si c'est pour nous faire assister au repas du chien? Je l'ignore, mais tant qu'ils nous traitent en ennemis, c'est-à-dire en amis, ne les contrarions pas. Ils donnent la viande aux chiens et les os aux invités. Accompagnés d'épluchures. Je vais pas manger ça. Il vaudrait mieux. Ils le prendraient comme une offense si vous refusiez. C'est sans doute un mets très délicat pour eux. Bon, puisqu'il s'agit de survie... Ne vous asseyez pas. Chez les têtes retournées, les hôtes de Marc restent debout. S'ils allaient jusqu'au bout de leur logique, ils devraient porter leurs chevaux. Lamentable chef des têtes retournées, pourquoi nos deux peuples ne signeraient-ils pas une déclaration de guerre? Si les visages pâles acceptent de déclarer la guerre aux têtes retournées, lombric indigent sera très triste dans son cœur. Demandez-lui pourquoi, s'ils font tout à l'envers, leurs femmes ne sont pas devenues des guerriers. Et pourquoi les guerriers ne font pas la cuisine et s'occupent pas des enfants? Inutile, je crois qu'ils ont compris. Elle a tort! Elle a raison. Tort! Raison! Je dois reconnaître que vous avez un don pour retourner les situations. Hé, hey, vous n'allez pas nous laisser ici! On a eu quelques différends, mais aussi de bons moments, non? Jolly, rappelle-moi de télégraphier à Washington pour leur dire qu'il faudrait qu'ils déclarent la guerre aux têtes retournées s'ils veulent avoir la paix. La Californie. On y est arrivé, Molly! Thomas O'Grani, me voilà! Connie, je dois être affreuse. Courage, Jean-François. En Californie, on va bien trouver le moyen de se refaire. Surprise!
Eh ben, on dirait que vous êtes pas content de nous voir. On est si affreuse que ça? On a traversé l'océan, bravé les déserts, les montagnes, les chercheurs d'or, les Indiens pour vous retrouver. Et c'est tout ce que vous trouvez à nous dire? Bon. Et on ose parler de ce que c'est fait. Que comptez-vous faire? On est là, on y reste. On va se trouver des maris et s'installer. À ce propos... Non, non, ne comptez pas sur moi. Je suis marié au célibat. Qu'en penses-tu, Molly? Au moins, avec ces deux-là, on risque pas d'être déçus. Non, je suis pas encore prêt pour le mariage. Moi non plus! Comme au pays, Molly! Comme au pays, Connie! C'est l'arroseur arrosé, si j'ose dire. Qui vit par le six-coups périra par le rouleau à pâtisserie. En route, cowboy. I'm a poor lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is this caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Première fois qu'on passe par là pour rentrer à la prison. C'est joli. Brave garçon. Sans eux, ils ne sortiraient jamais. Oh, à ce propos... Mulot Gourmand sera chef des bras cassés. Il succédera à Castor Hargneux, son père. Mulot Gourmand ne veut pas être chef des bras cassés. Mulot Gourmand veut être chef cuistot. Il n'en est pas question. Un fils succède à son père. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Ce n'est pas une raison. J'aurais dû l'appeler Anne Batté. Il serait temps aussi que Grand Ours à poil ras, ma fille, prenne un époux. Grand Ours n'a pas encore trouvé Mocassin à son pied. Pourquoi Grand Ours à poil ras ne peut-elle pas devenir chef des bras cassés à la place de Mulot Gourmand? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Il va encore courir pour rien, Joe. C'est vrai, Luc nous rattrape toujours. Hein, Luc? Ouais. Ah
À quoi tu joues, Joe ? La façon dont ce Dalton rompt la monotonie du voyage est d'un monotone. Laissez-le moi ! Elle est bonne, hein? Pris! Ber, ça sent l'homme mouillé. Castor hargneux remercie, petit saumon frétillant, d'avoir sauvé mon fils de la noyade. Petit saumon frétillant a sauvé la vie de Mulot gourmand. Grand ours a trouvé mocassin à son pied. Ils vous font à ravir. Selon la tradition, petit saumon frétillant et Mulot gourmand sont frères de sang. Petit saumon frétillant peut demeurer chez les bras cassés le temps qu'il le désire. Joe Dalton ne peut pas rester ici, chef. Il est attendu au pénitencier. Si ! Si je veux rester, je veux rester ! Le visage pâle veut une guerre indienne ? Mais Joe est un bandit, chef. Un vrai sauvage. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Qu'on apporte le calumet de la fraternité. Vous ne mettez pas de tabac dans vos calumets ? Le tabac est mauvais pour les bronches. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grand chef ? Mon fils peut m'appeler papa. D'accord, papa. Mes frères peuvent-ils rester avec moi ? Les frères de mon fils sont mes fils. Ok, bon courage, chef. Allons télégraphier au gouverneur. À mon avis, les Dalton vont pas rester à enfiler des perles indiennes. Qui adopte les Dalton risque d'y laisser des plumes. Frère de Mulot gourmand, un peu hamster de grand ours maintenant. Le premier qui rigole, je lui colle une beigne. À propos de beigne, goûtez-moi ça. Beignet au rognon de coyote. Recette de Mulot gourmand. C'est quoi ces trucs blancs dans la sauce? Termite, goûtez, vous verrez, les pattes chatouillent un peu, c'est délicieux. Il m'a promis que s'il ouvre un restaurant, il livrera le pénitencier. Jamais Castor hargneux, mon père, ne me laissera ouvrir un restaurant. On surveille les Dalton de loin. On trouve un moyen de les récupérer sans déclencher de guerre. On peut toujours compter sur leurs bêtises. Sur qui ? Écoutez, ici, on est protégé, intouchable. Profitons-en pour nous faire un bon magot avant de filer. Joe, t'es génialement rusé. C'est le plus indien de nous quatre, t'as un plan ? On sort, on pille, on revient, on repille et on se casse. Qui veut des queues de crotale farcies ? Moi ! 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 Mulot gourmand préfère les marmites aux armes. Qu'ai-je fait au grand Manitou pour mériter un fils pareil ? Papa chef, nous les armes on adore. D'ailleurs, à ce propos, il faudrait nous en procurer. Ah, si mon fils pouvait transmettre à son frère sa passion et sa fougue guerrière. Mais demain, tant des armes. Aujourd'hui... Tant de la danse.
décor. Bonne nuit. Tu m'apportes mon petit déjeuner au lit demain, Johnny Jumper? Moi, mon petit déjeuner, c'est mon lit. Ces niches de voyage, on a beau dire, ça sent. Des armes, ça? Traditionnelles et efficaces. Elles ont fait leur preuve, mon fils. N'avez-vous pas de Colt, des fusils, des canons? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grand ours peut donner des leçons particulières de tir à l'arc à petit saumon frétillant. Mulot gourmand va cueillir des herbes. Mon fils pense vraiment pouvoir transmettre son esprit guerrier à son frère? T'inquiète pas, papa, dans la famille, on est tous des durs. Mulot gourmand, attends-moi! Ça, c'est excellent, saupoudré sur un pâté de loutre. Ça, c'est meilleure nature. On a trouvé les escargots! Aujourd'hui, les bras cassés mangeront des restes. Mon fils sort avec ses frères pour apprendre à se comporter normalement. Comme un sauvage! Compte sur moi, papa. On ne farcit pas une tête comme une pintade. Que caille des plumées prépare mon cheval. Castor Arnule préfère rôti ou bouilli? Pour monter dessus et les suivre, crétin des rocheuses! Mon frère perd son temps. Jamais Mulot gourmand ne succédera à son père. T'inquiète, frangin. On avait simplement besoin d'un prétexte. On va se trouver des vraies armes et faire une petite collecte. Yo, 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 yo. Eh bien, voilà qui vient à point à qui sait attendre. Oh, oh, regardez, Priscilla, des Indiens. Oh, c'est tellement typique. Silence! Vous allez nous donner gentiment vos armes. Sinon quoi? Sinon, on vous transforme en passoire! Qu'ils sont drôles! Excellent! Excellent! Bravo! Vous avez une petite pièce, Rhett? C'est un bon début, non? Et si on leur chantait la chanson que Ma nous avait appris pour nos... Non! Nous sommes les Dalton! Moi, je suis Jesse James! Oh, c'est pas tout ça, j'ai un horaire à respecter. Encore merci pour le divertissement! Restez là! Restez là! Ça devient une habitude. Adieu, les Kilek. Mon fils, on ne frappe pas celui qui sauve son frère de la noyade. Juste des herbes magiques et de la bouse de bison. Comprends bien. Luc est frère de sang de Mulot gourmand, qui est frère de sang de Joe, qui est notre frère. On est donc cousins de sang. Du goulash. J'adore le goulash. Mon fils est un bras cassé maintenant.
Il n'a droit qu'à des armes de bras cassés. Castor Hargneux va enfermer le bâton qui crache le feu dans le tipi des chefs. Mes enfants, l'heure de l'initiation approche pour votre frère Mulot Gourmand. Hein? Il va falloir passer à la casserole. Ça va, ça va. On va voir comment tu seras, toi, avec des peintures sur le flanc. Grande Ours a redécoré son tipi. Elle veut la vie de petit saumon frétillant. On dirait que Joe a tiré le gros lot. Bon, c'est très joli, hein. Petit saumon frétillant veut-il tester le confort de ma peau de bison? C'est un grand timide, il a besoin d'être un peu brusqué. Mais il vous aime, c'est flagrant. Il faut qu'on file d'ici. Mais je croyais qu'on était en sécurité. Plus moi. Mon petit saumon, où es-tu? Faut récupérer le colt de Luc, on le descend et on file. Mais Joe, tu vas briser le cœur de Grand Ours. Tu vas voir ce que je vais te briser, moi. Vous goûtez mes aisselles de puma marinées? Surtout que bientôt finit la cuisine. Écoute, pour ton resto, on peut t'aider, mais il faut que tu récupères le colt de Luc. Mais papa l'a rangé dans la boîte sacrée, je peux pas. Tu as envie de mariner ici? Comme ton puma? Et maintenant, mon frère ne va pas commettre de bêtises. Moi? Terminus, cow-boy. Entre là-dedans. Je ne sais pas si papa appréciera. Plus rien ne peut s'opposer à ce que je te descende, Lucky Luke. Mon petit saumon timide, pourquoi te caches-tu loin de moi? Que mon frère libère les bisons furieux de ses sentiments. De mon fils a déshonoré ma fille. Oh non! Ah si! Mon fils a déshonoré ma fille! Comme depuis toujours, ainsi font les bras cassés, Mulot Gourmand va montrer qu'il est digne de devenir votre chef en ramenant la peau du grizzly qu'il aura chassé à cloche-pied et à main nue. Une seule main nue. Ça doit être une épreuve ancestrale. Ça impressionne toujours. Et à son retour, Petit Saumon épousera Grand Ours, à qui il a fait la traditionnelle demande dans son tipi. En route, tes frères et moi-même attendrons ton retour triomphal. Mon frère est un faux frère. On peut pas s'en aller comme ça sans dire au revoir à papa. Et puis, Grand Ours, t'as pensé à Grand Ours? Elle va être si triste. Étranglez-le ou je le descends. Et voilà. Comme prévu, les oisillons quittent le nid familial. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai les babines pâteuses.
Désolé, Cowboy. On est suivi. On file. Mais Joe, c'est peut-être l'amour qui te poursuit. On se planque. Petit saumon sauvage, je t'ai vu. Où es-tu? Que fais-tu? Castor Hargneux est venu voir comment Mulot Gourmand se fait déchiqueter par un ours? Non. Castor Hargneux veut donner ceci à Mulot Gourmand. Je croyais que Mulot Gourmand devait tuer l'ours avant de ramener la peau. Ainsi, depuis toujours, les chefs des bras cassés s'arrangent avec la tradition. Ah! On peut s'arranger avec la tradition? Ma fille! Ma sœur? Alors pourquoi Grand Ours ne pourrait-elle pas être chef? Parce qu'ainsi, depuis toujours... Sinon, raconte tout à la tribu! Finalement, peut-être la squaw est-elle l'avenir du guerrier. Attention! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Se bouffer le quiluc ou je te descends? Petit sauvage est une crapule. Il est temps de réaliser. Il y avait un bal et on m'a pas invité? Beaucoup de monde dans la grotte secrète. Joe! Tu ne pouvais tout de même pas tirer sur ta sœur alors qu'elle allait devenir ta femme? Grand Ours ne deviendra jamais la femme de petite crapule frétillante. Alors, vous êtes libre? Mais plus nous! Alors moi, personne m'invite à danser. Je souhaite bonne chance à mon frère Mulot Gourmand. Il sera un grand chef. Et à ma sœur Grand Ours, elle sera une grande chef. Castor Hargneux regrette de s'être trompé. Petit saumon n'était qu'un misérable serpent. J'aurais dû reconnaître la valeur de Lucky Luke. Et vous? Au point où on en est avec la tradition, on peut se serrer la main. Grand Ours et Mulot Gourmand avaient inventé deux nouvelles façons d'être un grand chef. Et depuis ce temps, ainsi les bras cassés ne font-ils plus forcément comme papa. I'm a bold lonesome cowboy.